Alexia Abré, responsable images et médias pour Princess Tamtam. Vanessa Chapelle, responsable marketing et CRM pour Princess Tamtam aussi. En fait, les HBK, c'est un travail de collaboration au sein du SSC, mais aussi avec les boutiques. Et au quotidien, finalement, les choix qui sont faits sur les HBK en communication, marketing, sont très liés à nos métiers à toutes les deux. Donc, on fait les choix d'axes de communication, de photos, etc. ensemble pour nous assurer que ça répond aux besoins HBK identifiés par la direction. Dès le début, quand on travaille sur le plan marketing de la saison à venir, on va identifier les HBK de nos différents temps forts et se dire, bah, voilà, on a ces produits-là qui sont essentiels, qu'il va falloir qu'on magnifie dans nos photos. Donc on va travailler des photos spécifiquement pour mettre en avant aussi ces produits-là et nous assurer qu'on voit bien les bénéfices de ces produits sur nos photos. Donc c'est vraiment bien en amont de la saison. Donc la partie marketing, donc en fait tous les mois, on a une réunion qui s'appelle le Monthly Business Plan. Donc c'est tous les mardis, trois fois par mois, où là on établit les HBK du mois suivant et on sait que c'est les produits clés qu'il va falloir pousser en 360, c'est-à-dire dans toutes nos communications, que ce soit vitrine ou les communications digitales, que ce soit sur le site internet, dans les emails, aussi sur les réseaux sociaux. Donc ça, ça nous donne déjà une piste pour bien travailler notre planning d'animation. Tous les mercredis, il y a une réunion de travail avec le management où les allocations présentent évidemment ces HBK de la semaine suivante et on valide si tout est OK pour les boutiques, sur Internet. On peut avoir quelques ajustements et voilà. Le lundi matin, la réunion de sales meeting, c'est vraiment une analyse de ce qui s'est passé la semaine précédente, une analyse des résultats, que ce soit en retail, sur le web, en marketing, pour tout ce qui est email, etc. Et pour voir si les résultats sont bons. Et ensuite, en fonction aussi des aléas du business, de ce qu'on en tire comme conclusion, on peut réajuster les HBK.